Alors bonjour, donc je m'appelle Adrien Penaud. Donc je suis actuellement fraîchement diplômé d'un master en rééducation du handicap et de la performance motrice. Et maintenant je vais entamer un doctorat en biomécanique du sport et du handicap. Et donc là actuellement je m'occupe du groupe performance au tennis de table de Poitiers, le TAC. Et là pour cette année je vais aussi m'occuper du pôle espoir de Ligue Nouvelle-Aquitaine. Où ici je vais pouvoir faire trois fois à l'année les tests physiques des jeunes du pôle, et après en fonction de ces tests là faire un programme individualisé et adapté en fonction du profil de chaque joueur, afin de permettre une progression au fur et à mesure de l'année. Alors premièrement, dans la matinée, on a réalisé au départ une première présentation où j'ai pu expliquer en quoi la préparation physique au tennis de table c'est important, qu'est-ce qui est important de travailler au tennis de table. Et après on a discuté des différentes questions que les éducateurs pouvaient avoir, mais aussi les joueurs, que ce soit sur l'échauffement, la récupération, ces choses-là. Et après là pour cet après-midi, on va essayer de travailler sur les tests physiques. On va les faire passer tous les joueurs du pôle pour avoir une première base de données pour ensuite la suite de la saison. Pour moi, la préparation physique maintenant c'est un rôle majeur dans la performance du sportif. On a vraiment trois notions qui sont importantes dans la performance: tout ce qui est technique, tactique, le mental et après le physique. Si le physique à un moment donné ne va pas tenir, la performance ne viendra pas à un moment donné pour le niveau national. Donc pour moi c'est important d'y intervenir, que ce soit même au plus jeune âge, qu'ils prennent conscience de l'importance du physique, et qu'après que les éducateurs puissent après mettre aussi en place dans leur club toute cette notion de physique directement aux jeunes, et les faire ensuite bien progresser au fur et à mesure de la saison. We'll be right back.